Je croyais que tout avait cessé. Depuis quelques jours déjà, plus rien s'était passé. Les appels avaient cessé. Malgré mon insomnie, malgré mes cauchemars. Je suis arrivé à m'en remettre, tranquillement. J'arrivais à reprendre un semblant de vie normale jusqu'à cette journée. Cette journée-là précise où tout le reste de ma vie a changé. Si j'avais su avant, peut-être que tout aurait été différent. Malheureusement, j'ai pas vu les signes annonciateurs. Maintenant, il est trop tard. Trop tard pour moi, trop tard pour reculer. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour vous. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Ça pourrait vous troubler. Dieu, non. J'ai reçu un appel de Florian. Il avait l'air en panique. Il a commencé à recevoir des appels. Je crois que c'est la même personne qui l'a contacté. Il me dit avoir reçu des appels étranges. Quelques minutes après l'appel de Florian, on sonne à ma porte. La rencontre que j'ai faite a changé toute la vision que j'avais de mon existence, du monde en général, de moi-même. Et ça m'a surtout traumatisé. J'ai eu un entretien avec une personne. Avec son accord,
J'ai filmé cet entretien-là. Évidemment, à sa demande, j'ai dû flouter l'image pour qu'on ne le reconnaisse pas. Les choses qu'il m'a dites sont très troublantes. Je vais vous laisser visionner cet entretien-là et vous en faire votre propre idée. Au cours de ma conversation avec cet être, j'ai appris beaucoup de choses. Il m'a parlé bien évidemment d'épidémie, de peste, au niveau mondial. Et il m'a dit aussi que c'en était que le début, qu'on devait être patient. Et ça, il me l'a répété à plusieurs reprises. Il m'a dit aussi que les gouvernements allaient prendre le contrôle sur les aliments, sur la nourriture, et que même un simple citoyen ne peut faire pousser un seul champignon dans son jardin, parce que le gouvernement a pris le contrôle sur la nourriture. Et qui contrôle la nourriture contrôle le peuple. Il m'a dit aussi que la technologie avait bien évolué, mais pas dans le bon sens. Il m'a dit aussi qu'on avait commis de graves erreurs et qu'on devait apprendre à ne pas les répéter, ce qui malheureusement causera notre perte. Il m'a dit aussi qu'un jour viendra où le peuple se rebellera contre son gouvernement, contre les autorités, et qu'il y aura beaucoup de morts. Il m'a parlé aussi de famine, de gens qui meurent de faim, de maladies. Il m'a parlé de corruption, du nouvel ordre mondial. Il m'a parlé aussi du futur de notre planète et de notre futur à nous. Il m'a parlé de religion aussi. Alors, j'ai demandé que va-t-il se passer? C'est alors qu'il me regardait avec un grand sourire. Il m'a dit, après tout le désespoir, après tous ces guerres, après toutes ces catastrophes, un jour un événement est arrivé. Il a vu tout le monde sortir de chez eux. Tout le monde avait le regard fixé vers le ciel.
Et soudain, une grande lumière fut. Ben, c'est fini ton petit jeu. Ils me l'ont dit, ils vont s'occuper de toi. Tu peux plus rien faire, là. Tu as cru être débarrassé de moi? Eh bien, non. Je suis toujours là. Tu as essayé de me faire éliminer. D'autres Isby essaient de m'attraper. Tu le regretteras. Je vais me venger. Sale petite merde. J'ai trouvé ton ami Florian et je vais lui faire sa fête. Petit connard, pour qui te prends-tu? Sale petite merde. Je vais m'en prendre à tous ceux que tu connais. Et tes amis les Isby blancs n'y pourront rien. Je suis dans une folie meurtrière. Tu me le paieras cher, toi et ton petit ami Isby blanc. Pour qui vous prenez-vous? Petite salope. Je vais tous vous tuer. Je ne suis pas seul. Et ce n'est que le début. Ouais, ben tu sais quoi? Fuck you. Mange ma mère. Fuck you. Terrorie. Eh bien, voilà. Je crois pas qu'il va revenir. Ma conversation a duré quelques heures. Et j'en ai appris beaucoup. Énormément. On a parlé évidemment de cette épidémie. Évidemment, il était au courant puisqu'il l'a vécu. Il m'a expliqué qu'il venait de 30 ans en avant. Ce qui est réconfortant parce que s'il vient de notre futur, ça veut dire qu'il y a encore des gens. Mais apparemment, une grosse partie de la population s'est éteinte. Évidemment, je lui ai demandé à propos de mon futur à moi. Et ce fut des réponses évasives. Donc évidemment, il ne voulait pas me répondre. Je lui ai parlé de cette Isby qui m'avait menacé et qui avait menacé Florian. Je lui ai parlé aussi de mes cauchemars, de mon insomnie. Il m'a dit que ça, c'était dû à l'Isby qui avait pris contrôle de mon corps, ce qui expliquait mes cauchemars, mes insomnies et somnambulisme. Il m'a dit de ne pas m'en faire, qu'ils allaient s'en occuper, qu'ils étaient assez tous, et que quand ils allaient le trouver, ils allaient l'éliminer. Apparemment, les mauvais Isby, il y en a beaucoup, et ils essaient d'enrayer ça. J'ai appris des choses aussi sur notre futur proche et notre futur lointain. Il m'a dit qu'ils ont essayé à plusieurs reprises de nous prévenir, mais qu'on les a pas écoutés. On a tiré sur leur vaisseau. Qu'ils ne viennent pas de l'espace comme on le croit, mais qu'ils sont plus près de nous qu'on le croit. Que nos gouvernements ont refusé leur aide parce qu'ils ne voulaient pas délaisser leur pouvoir. Et malheureusement, ce qui en partie cause notre perte, j'ai gardé quelques parties de cette conversation avec lui. Il y a des choses que je peux montrer. Il y a des choses que je ne peux pas montrer. Et je peux vous dire que quand je l'ai vu la première fois, j'ai resté sans voix. Et vous comprendrez pourquoi.
J'espère que tout va bien se passer. Et que ces problèmes vont se terminer. Et il m'a dit aussi que si la population ne se serrait pas les coudes, c'était voué à l'échec. Beaucoup de choses qu'il m'a dites sont toujours ou occupent toujours plutôt mon esprit. Et j'y pense constamment. En espérant qu'on se réveille assez tôt. Apparemment, ils ont utilisé divers moyens. Mais les gens qu'ils ont envoyés, on ne les a pas écoutés. Tout ce qui nous reste, c'est l'espoir. Malheureusement, l'humain est égoïste. Et on ne pense qu'à nous. Ou du moins, jusqu'à ce que tout est mal. Mais tant que ça va bien, on ne pense qu'à nous. Malheureusement, ce qui s'en vient sera bien pire que tout ce qu'on a connu auparavant. Et si la population n'est pas capable de se serrer les coudes, n'est pas capable de s'entraider, eh bien, ce qui s'en vient est de très, très, très mauvais augure. Il me l'a dit. Il m'a bien averti. Aidez-vous les uns les autres, parce que la fin approche. Et à grands pas. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans vos prières, rappelez-vous que notre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui ayez demandé. Voici comment vous devez prier. Notre Père,
es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous.